Alors, nous sommes de retour, mesdames et messieurs, pour la deuxième carte de cette finale Cégep Division A avec les Gaillards du Cégep de Jonquière contre les Lynx du Cégep d'Édouard Montpetit. On va être lancé sur Anamura sur la prochaine carte et on va pouvoir voir comment on va s'en sortir. Les deux équipes semblent être de niveau très égal. On a eu un très, très beau premier point sur Busan. Où est-ce qu'on s'est rendu overtime de chacun des côtés, donc 99% des deux bords. Et c'est les Lynx qui ont réussi à remporter ce premier point. Et par la suite, on a eu vraiment là, un match, ou du moins un point unilatéral du côté des Lynx. Où est-ce qu'on a vraiment... je dirais que c'est Captain Beard qui a vraiment brillé pour son équipe à ce moment-là. A joué May de façon extraordinaire. Mais on va poursuivre donc sur Anamura. Anamura qui est sur laquelle on voit quand même souvent des mets en défense d'ailleurs. Donc souvent on va avoir des mets, sinon des fois des symétra aussi. Puis moi personnellement, Anamura, c'est la deuxième des 2CP que je déteste le plus. Ah ouais. La première c'est Volcanic. Ah, ouais, ah, ouais. Puis Anamura, parce que je trouve que cette map-là, elle est très... surtout pour le deuxième point, où est-ce que si on a des arias, on peut facilement holder le high ground et se transférer sur le point, puis on peut automatiquement, si on a le contrôle du high ground, c'est facile à ce moment-là de bien défendre. Puis le premier point aussi, ça peut être très difficile à entrer. Souvent, on va prioriser des dive comps. Mais encore des fois on peut aller avec une cup un peu plus standard puis aller un peu plus slowly, mais si on y va vraiment lentement pour rentrer sur le point, il faut s'assurer que l'équipe est bien coordonnée parce que sinon on laisse la moitié de l'équipe derrière. Et on va le voir, si sur le cas où qu'on aurait une mai par exemple, à ce moment-là, ben c'est plus facile de vraiment splitter le Reinhardt de son équipe. Ouais, justement tu le mentionnais, la coordination qui est très 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 sur l'entrée ici dans la présence de May qui peut justement placer. C'est ça, tu disais que à quel point c'est difficile de rentrer sur le premier point d'Anamura, puisqu'on a uniquement deux entrées possibles, donc la porte principale et une entrée high ground, dont les deux sont très facilement couvertes pour la défense. Ici, on va y aller. Ah non, en fait, on n'a pas pris des... Je pense pas qu'on pique peut-être pour le moment. On n'a pas de support. Fait que... Peut-être qu'on veut juste s'assurer, mais avec le délai, c'est sûr qu'on ne verra pas leur composition. Mais dans le sens que ça peut être super bon. C'était beaucoup runné au début, ça, par les pros. On savait qu'elle allait avoir des mets. Donc, on prenait une mets en attaque pour mettre un mur. Puis à ce moment-là, on était capable de rentrer 5 notre runner de face... prendre au piège. Donc c'est peut-être ça qu'on veut essayer de faire, sachant que peut-être que l'autre bord, on va avoir. Et là, on semble être, j'allais dire, on est tellement avancé au niveau de la défense. Et là, Tommy Case qui va être éliminé par Dion. On a un beau biotic grenade, par contre, qui a été utilisé. Mais malheureusement, on n'a pas eu de follow-up nécessairement pour aller chercher les kills. On avait 4 joueurs purple, je crois, dont plusieurs qui étaient très, très, très bas en vie. Alors que là, on a une belle rotation du côté des Lynx. On saisit le high ground à côté du... et là, on cherche vraiment l'ouverture. Le wall ici, on va capturer Morganate va capturer Captain Beard. Voilà, une très belle charge de la part du Reinhardt. Mais on est très, très bas en vie. L'élimination, justement, de Morganate par Kaoli. Tommy Case est de retour sur le point, par contre. On est allé chercher le kill sur le Hanzo en backline. Qui va être récupéré par Harry Moon, par contre. Et Tommy Case, très très bas en vie, malheureusement, va être poursuivi par Enox à l'extérieur du point. Et voilà, on va chercher l'élimination. Max Wright tente de garder le point en vie pour son équipe. On est haut en énergie, mais très bas en vie, justement, l'élimination qui va être complétée. Et les Gaillards qui vont se replier vers leur second point. On concède donc le point A aux Lynx. On en a parlé de la coordination ici, c'était très bien exécuté. On avait des turrets de symétra sur le point. Aussitôt que le Reinhardt a mis les pieds, le Reinhardt attaquant a mis les pieds sur le point, on s'est tout de suite débarrassé des turrets de symétra. Puis la turret de Torbjorn qui était un peu plus dans le back, la diva a sauté immédiatement dessus, ce qui a permis d'éliminer la plupart du dégât de la défense.
Oui, on a délaissé d'ailleurs le Torbjörn du côté de la défense. Un Photon Barrier discutable ici qui a été vraiment placé. On aurait pu mieux placer que ça, mais tout de même qui va forcer la rotation. La rotation des Lynx à l'extérieur du high ground. Mais Captain Beard qui va aller chercher un pic important sur Blue Seb. Encore une fois, une grande partie du dommage qui va être perdu du côté des Gaillards. Mais on va aller D-Mech. Et voilà, on force la rotation. Captain Beard qui est sur le point va être éliminé par Arcanine. Le Dragon Strike qui est quand même bien placé ici. On couvre le spawn. Et Harry Moon qui va chercher la résurrection sur Captain Beard. Mais le fight est malheureusement déjà terminé. Pas sûr à 100%. Jellico sur Green. Par contre, Blue Seb sur Captain Beard également. Et voilà, on va se replier du côté des Lynx. Une belle défense du côté des Gaillards. On avait beaucoup de coordination au niveau de l'attaque dans le premier point. Le deuxième point, on s'est malheureusement retrouvé en trois sur l'high ground, trois sur le point. On a essayé peut-être d'être un peu greedy puis de vouloir aller capturer le point le plus rapidement possible parce qu'on avait un pic. Mais c'est pas toute l'équipe qui a fait la rotation en même temps. Donc, ça nous a vraiment coûté notre attaque. Et là, on va espérer que cette fois-ci, Blue Seb ne se prendra pas un cristal en plein visage parce que ça l'a possiblement rendu la tâche plus difficile. Un très beau wall de la part de Captain Beard ici pour bloquer le champ de vision. Et on place le blizzard sur le point, mais on a une pause qui est demandée. Donc là, on est en plein milieu de l'action. Ça va être assez intense. Généralement, une pause en plein milieu de l'action comme ça, ça... C'est problématique au retour de la pause parce qu'on doit être prêt absolument. Évidemment, on a un décompte au retour de la pause, mais quand même, là, on est vraiment en plein milieu de l'action. Ouais, normalement, on veut attendre. Mais je pense qu'on a eu un disconnect, donc. Ouais, donc évidemment, qui. J'essaie de voir, on peut pas bouger dans la map, là, mais j'essaie de voir peut-être qui est pas dans le fight. On a quand même. Kaoli, Green et Enox dans le Graviton. La disconnexion serait... Ah, c'est revenu, je crois. Donc. Bon, merveilleux. Donc, la pause, finalement, qui n'aura pas duré très longtemps, heureusement. Mais oui, comme... Du point de vue que j'ai, moi, en ce moment, je vois... non, pas tout à fait. Moi, je vois à peu près, justement, tu disais, il y a Enox, Kaoli et Green qui sont pris dans le Graviton. On a Harry Moon... Harry Moon qui est en Valkyrie, qui est en train de guérir les trois joueurs qui sont pris dans le Graviton. Et on a un Blizzard sur le point avec par les personnages, je vais pouvoir dire c'est qui. Tommy Case, Morgan Latte et c'est Max Wright également qui sont pris à l'intérieur du Blizzard en ce moment. Ça va être reparti. Et voilà, on est reparti direct. Et là, rapidement, les trois joueurs que je viens de nommer se sont sortis du Blizzard. Kaoli qui va aller chercher une charge sur Arcanine. Un Shatter, un beau Shatter d'ailleurs. Et Tommy Case qui va être éliminé par le Dragon Strike. La Photon Barrier qui est placée. Mais je crois que le point va tomber. Arcanine qui est maintenant présent sur le point, mais malheureusement a téléporté à l'extérieur du point, je crois. Et on permet la capture. C'est très étonnant la capture ici, sachant que c'est sûr que quand on est en pause, veut pas, on a quand même le temps un petit peu plus. Oui, on parle de momentum, mais on a quand même un peu plus le temps d'analyser. OK, tel joueur se trouve à telle position, donc on va focusser lui en premier. C'est un désavantage, mais en soi, ça peut être un bon avantage si on prend ce temps-là de pause pour discuter ensemble, évidemment. Puis, on avait quand même le gros avantage au niveau de la défense, puisqu'on avait le Graviton et le Mehult, donc le Blizzard. Blizzard, c'est ça. Puis, on était vraiment en avantage quand même, mais je crois qu'on a vraiment... En fait, le Blizzard, le Blizzard était du côté de l'attaque, alors que le Graviton était du côté de la défense. Mais... Donc, on n'a peut-être pas profité de la perte de momentum pour se dire « Ok, bon, là, on va focusser telle personne parce que c'est cette personne-là qu'il faut qu'il meure. » Donc, on a tout de suite... Ouais, le teamfight qui s'est déroulé très rapidement, justement, après la pause. Les joueurs qui ont... Je sais, comme tu dis, je sais pas si on a profité de la pause pour discuter ou non, pour prévoir un petit peu le déroulement du teamfight, mais
tout ça pour dire que les lynx réussissent à capturer donc le deuxième point. Et on va donc inverser les rôles. Les lynx qui sont maintenant à la défense avec un bastion et une Orisa. Juste à titre informatique, avant que l'attaque commence, ça a été un disconnect automatique. Donc, c'est le système par lui-même qui a vu un disconnect puis qui a fait la pause. Ouais. Mais donc, on est parti. Un très beau téléporteur de la part de Symmetra. Encore une fois, très efficace pour forcer le déplacement du bastion. Et là, instantanément, on se retrouve en position inversée. On est sur le point et on s'approchait tellement d'un C9. Beau dash de la part de Blue Seb. On est dans la mêlée en ce moment. Le beau reflect également, mais Captain Beard qui va aller chercher l'élimination sur son frère, le Genji, pardon. Et voilà, Green qui va tomber une seconde fois d'ailleurs, qui a été ressuscité, je crois, par Harry Moon. Le rally qui est utilisé. Et là, on est sur le bastion qui va être éliminé. Très bien joué de la part de Tommy Case et de Arcanine. Justement, Arcanine qui vient de nous faire un beau triple kill. Où est-il, Arcanine, d'ailleurs? Il est sur le point avec la Symmetra. Très beau téléporteur de la part de Arcanine. Ça a été un beau téléport et une belle coordination d'équipe parce qu'on s'est vraiment dirigé sur le point tout le monde en même temps. On n'a pas de Lucio en plus, donc c'est toujours plus difficile d'être proche quand on a des personnages qui sont un peu plus de mobilité, d'autres que non. Mais on n'a vraiment pas perdu de temps. Donc, on est à 6 minutes 35 au compte à rebours. On a 2 minutes pour se rattraper, être à peu près à l'égalité au niveau du temps. Donc, il va falloir quand même essayer d'être rapide. Et là, on est très efficace, justement, le Photon Barrier qui est très bien placé ici. Dans le cas présent, on a complètement annulé l'avantage de High Ground qu'on avait. Mais Captain Beard qui va aller chercher un kill sur Jelly Cool, Tommy Case également qui vont tomber et Arcanine de plus. Max Wright qui est maintenant présent sur ce point. On est haut en énergie. On est avec Morgan Latte également. Blue Seb qui va aller chercher le kill sur Captain Beard. Le D-Mex sur Inox et Aaron Moon qui va chercher un kill sur Morgan Latte. Très bien joué de la part de la Mercy. Arcanine qui est de retour avec le Doomfist sur The Unforgiven. Blue Seb sur Kaoli. Et on va perdre malheureusement le Genji. On a un Graviton prêt à être utilisé, mais ce ne sera pas suffisant. Inox qui va aller chercher le kill. Et je crois qu'on... On perd énormément de temps ici quand même parce qu'on décide de continuer à contester le point. On a quand même beaucoup de pics, mais on va avoir la résurrection, donc c'est mieux de se regrouper, je pense, parce qu'on est déjà à 5 minutes 30, donc il nous reste une minute pour créer le temps. Mais tout de même s'il nous reste 3 minutes ou 2 minutes, c'est un très bon avantage. Quand même. Ouais, on... Il va falloir s'occuper de la Widow, par exemple, parce qu'elle a eu l'avantage de High Ground tout le long. Donc... Comme tu disais, je pense qu'on a eu peut-être un petit peu de la difficulté à... Pas à comprendre, mais à accepter que le teamfight était terminé. Et on a continué à espérer, continué à aller chercher des... Et c'est ça qui est difficile, c'est qu'on a continué à aller chercher des picks tout au long de... du teamfight. Et là, Arcanine avec le Doomfist qui est de retour. Double kill de Captain... Quad kill! Captain Beard, bon sang, va être éliminé ce dernier par Jelly Cool, mais je crois que c'était un flank. J'ai vu le Dragon Strike partir de l'extérieur de la base pour aller c'était attraper. C'était un flank. On avait vraiment un positionnement dans les marches, presque. C'était une très belle exécution ici du Enzo. On a vraiment vu l'ouverture et l'opportunité et on l'a pris. Donc, un beau petit fight avec un press Q, comme on dirait. Ouais, le Captain Beard, vraiment, là, qui a sauvé son équipe sur ce fight-là d'un seul coup. Oh, le reflect qui a failli prendre la vie de The Unforgiven ici. Et on change la direction. Oh, Jelly Cool qui a failli s'en perdre la poire ici. Et plutôt Arcanine, justement, qui est allé surprendre The Unforgiven. Et là, on fait une grosse rotation de la part de la Widowmaker. Et on est présent sur le point. La Pharah qui... J'ai vu une Pharah, je crois, mais il n'y en a pas. Non. Je crois que c'était Harry Moon que j'ai vu. Mais voilà, les éliminations qui s'accumulent en ce moment. On a Harry Moon dans les cieux qui va tenter la résurrection. Voilà, c'est risqué. On réussit la résurrection. Non, la résurrection non. Qui a été cancellée, je crois. Seconde, en fait. Et là, le teamfight qui continue sur le point en ce moment. Arcanine qui est en plein milieu de la mêlée. La Dragon Blade de Blue Seb qui est lancée. On cherche Captain Beard. Voilà le slash final. Et là,
face à The Unforgiven. On lance le deflect. Et c'est encore contesté par Enox, je crois, qui est sur le point. Et là, on a vraiment un affrontement entre Blue Seb qui va aller chercher le headshot sur The Unforgiven. Et, oh mon dieu, est-ce que... Conteste le point comme ça? Est-ce que Kaoli est vraiment capable de contester le point à cette hauteur-là? Je suis vraiment pas d'accord. On a vraiment eu une longue période de temps où je crois que les joueurs des Gaillards comprenaient pas nécessairement qu'est-ce qui contestait le point. Alors qu'on avait Wrecking Ball qui était haut dans les cieux qui contestait comme ça. S'il vous plaît. Et finalement, mon dieu, on réussit à hold tout ça grâce à Kaoli. Mais le teamfight reprend en ce moment. Et là, on est vraiment... Oh, très beau slam de la part de Arcanine ici. On va aller chercher les kills qui sont essentiels. Et on peut finalement recommencer à capturer. Et là, on cherche le punch sur Lucio. Bien joué de la part de Arcanine sur Green. Et là, on a un Meteor Smash qui s'en vient. Kaoli est encore dans les airs avec son Wrecking Ball. Ça n'a aucun sens. On réussit à contester encore une fois. Et on va y retourner encore une fois, je crois. Vraiment, Kaoli avec le Wrecking Ball qui est problématique en ce moment. Là, on va encore aller se placer sur le en hauteur et on continue de contester. Blue Seb sur Enox quand même. Et là, The Unforgiven qui va commencer à aller chercher des kills. Le Dragon Blade de Blue Seb qui est lancé. On cherche l'ouverture. Encore une fois, Kaoli qui est encore en vie avec son Wrecking Ball. Arrêtez-le, quelqu'un, s'il vous plaît. Kaoli, encore une fois, on place le Minefield maintenant. Mais on est immobilisé, je crois. On va... Finalement être éliminé. Et finalement, on réussit à capturer ce point. C'est super intéressant de voir, je crois, quand il y a des joueurs comme ça qui connaissent les failles avec leur personnage comme ça, parce que, excuse-moi, mais c'est clairement une faille de l'histoire. On vient de le voir, là. C'est pas normal. Il était quasiment à la hauteur du petit toit, donc... Je crois à peu près là, à la hauteur que la caméra est située en ce moment. C'est à peu près la hauteur à laquelle Kaoli était. Non, il était quand même un petit peu plus bas. Mais il grabait quand même le toit. Mais pour d'ailleurs, c'est la première fois que je vois ça dans Overwatch. Donc, mais bon, ça arrive dans le jeu, il y a des failles comme ça. Et malheureusement, ben, c'est legit. Donc... Absolument. Tant que Blizzard n'accepte pas de corriger, si correction il y a. Mais vraiment, je pense que c'est vraiment une question. À partir de maintenant, les Gaillards vont le savoir pour les prochaines rondes. Mais... la Mercy qui réussissait aussi à avoir un positionnement de feu puisqu'elle pouvait juste simplement voler d'un côté et de l'autre de la map, puis elle est restée aussi en vie probablement le même nombre de temps, un petit peu moins que Kaoli, mais ça l'a vraiment aidé en fait à garder Amun en vie, parce que sinon il y aurait probablement qu'on aurait pu s'en débarrasser plus rapidement. Ouais, effectivement, mais il y a vraiment eu un moment, et ça, j'aurais aimé être dans les communications des Gaillards de juste pas comprendre qu'est-ce qui conteste le point. Est-ce qu'il y a un Lucio quelque part? Je comprends pas. Et là, malheureusement, on va perdre Blue Seb déjà. C'est déjà parti, le teamfight. On a perdu Blue Seb, et donc, mais... On a quand même forcé le déplacement du Bastion déjà. Et là, ça nous ouvre la porte. Et là, j'adore ce qui se passe en ce moment. Le téléporteur qui a été utilisé est vraiment The Unforgiven qui ne comprend pas où sont situés les joueurs adverses. On va aller chercher le kill sur Morgan Laté. Et Tommy Case qui va éliminer Captain Beard. Mais voilà, le teamfight qui se continue. Max Wright, double kill pour Lazaria du côté des Gaillards. Et vraiment, là, on est en affrontement complet sur le point. Harry Moon qui va récupérer The Unforgiven. The Unforgiven, qui est très, très bon en vie, va être éliminé par Blue Sam. On récupère le kill sur Jellycool, par contre. Et là, le teamfight qui continue sur ce point. La charge de Morgan Laté sur Kaoli. La Dragon Blade également de Blue Sam qui est lancée. On va aller chercher un kill. Voilà, Kaoli va tomber. On cherche la Mercy. Harry Moon qui va s'en sortir avec la Valkyrie. Et on continue à contester le point. Le Shatter qui a été utilisé. On récupère Captain Beard avec le Ultimate. Captain Beard qui est encore en vie va finalement être éliminé par Morgan Laté. Et là, on continue de contester chez les Lynx. On est tellement efficace. Enox qui récupère son mec d'ailleurs. The Unforgiven qui est de retour maintenant avec le soldat. On va aller chercher le kill avec Blue Seb. Arcanine sur Enox.
où est Green? Green qui continue autour de la cloche va être éliminé finalement par Morgan Latté. Le coup de marteau pour compléter. Et là, on récupère ce point en overtime. Encore une fois, les Lynx tellement efficaces à garder le point en, en overtime. Je pense qu'il y a aussi un... on joue très bien ensemble du côté des Gaillards. Par contre, je crois qu'on focus pas assez les healers rapidement. On l'a vu, le Lucio et la Mercy qui sont souvent en dernier à mourir. Normalement, c'est ceux-là que tu veux focuser en premier parce que si t'es healer, surtout une Mercy qui peut faire revivre quelqu'un rapidement, si t'es healer, ils survivent. Le fight est malheureusement jamais terminé. Donc, tu veux vraiment focuser ceux-là en premier. C'est peut-être cette difficulté-là qu'on a eu au début du fight. Et là, on vient tout juste de Nano Boost. Encore une fois, Captain Beard avec le backline Dragon Strike qui va aller chercher un kill sur Jellicool. Arcanine également. Et Blue Sam qui vont tomber. Le Graviton qui est utilisé. On a le Shatter. Le Shatter va être bloqué en grande partie. Et Morgan Latte qui va tomber également. Le teamfight qui continue, Tommy Case qui est présent, Max Wright également. Et là, ça va être la défense, l'overtime qui découle tranquillement. Et voilà, ce sera défendu par les Lynx. On récupère tout de même un point supplémentaire du côté des Gaillards. Mais là, on va devoir réussir un exploit en défense, défendre justement ce premier point au complet. Ça sera pas facile. Du côté des deux équipes, on voit beaucoup sur le deuxième point qu'on laisse, on a une bonne coordination, mais malheureusement, on oublie souvent le high ground. Donc, en défense, on va tout le temps avoir une ou deux personnes, surtout les DPS, qui se positionnent sur le high ground, ce qui donne un énorme avantage pour la défense parce qu'il n'y a personne pour contester les DPS. Donc, en attaque, on a de la misère, on a des picks, mais finalement, on se fait complètement détruire à cause du positionnement sur le high ground. Puis je le dis souvent, mais le high ground dans Overwatch, c'est quelque chose qui donne un tellement gros avantage, puis qui donne aussi vraiment une bonne coordination d'équipe aussi. Donc, Oui, effectivement, il y a le justement le d'où l'importance d'avoir des personnages à haute mobilité. Dans le cas de justement, tu parlais de contester le high ground face au DPS. Peut-être quelque chose qu'on n'avait pas nécessairement du côté des Gaillards. On utilisait plutôt la Symmetra pour permettre cette mobilité qu'on n'avait pas justement autrement sur les personnages. Mais là, on va être lancé ici en défense du côté des Gaillards. On a un exploit à réaliser quand même. On a 4 minutes 20. Oh, le Morgan Latte qui... Oh, la belle trap de la part de Junkrat ici, on va attraper. Je crois que c'était Captain Beard qui va être éliminé par la charge de Morgan Latte. La belle mine de Arcanine sur Kaoli également. Et là, Arcanine... Oh, la mine qui était tellement bien placée sur Enox. Mais justement, Enox qui va s'en sortir. The Unforgiven qui va être récupéré ici sur le flanc. Un pas pire stagger, voilà, pour les Lynx. Et là, encore une fois, on a Blue Seb qui est très bien placé avec son Reaper. On va avoir quand même un 3 minutes 40 ici, puis si on capture le point, un 30 secondes de plus, donc on va vouloir quand même... on peut prendre notre temps, on peut se le permettre. Et là, tu parlais du focus sur les supports, justement, Blue Seb qui n'a Dieu que pour Airy Moon. On va aller chercher le kill et Green également qui va tomber. Les deux supports et la flèche en pleine poire, The Unforgiven sur Blue Seb. Très bien joué de sa part. Malheureusement, le pick est un peu trop tard pour permettre l'avancée au niveau de l'attaque, pardon. C'est ça, il faut continuer comme ça. Il faut qu'on focus justement la Mercy qui vient de switcher pour une Mora. Donc... puis on va quand même avoir une Pharah. Oh non, la Mercy qui vient de retourner sur Mercy, ça c'est questionnable normalement. Ouf. Parce que la Mercy a perdu son ult, elle a switché, puis elle re-switch encore sur Mercy. On a Riptire qui s'en vient de la part de Arcanine. Malheureusement, Arcanine va être éliminé et The Unforgiven va également détruire le Riptire. Donc, et là, oh, Airy Moon tellement bas en vie, va réussir à retrouver le... la protection. On a un Nano Boost qui va être utilisé. Non, plutôt c'est le... Voilà. Sur Morgan Latte. Le gros Shatter également de Morgan Latte. On a un Dragon Strike qui s'en vient en plein sur Jellicool. Qui est en plein milieu. Va s'en sortir avec 4 de vie. La résurrection sur Kaoli. On récupère le Reinhardt avec son ult. Et le Blue Seb qui est présent avec son Reaper va tenter de contester. On a quelqu'un qui conteste en ce moment. C'était Max Wright qui va être éliminé. Captain Beard qui va tomber par contre. Et là, le soldat de Arcanine qui est présent. On doit contester. On n'a pas le choix. Tommy Case qui est présent, Blue Seb également, on réussit à éliminer le Reaper, le Death Blossom qui est utilisé également, on va récupérer la Mercy.
Et je crois que ça va être une défense réussie. Enox, très très bon en vie avec Sazaria, va être... On réussit à aller chercher le pick sur Blue Seb, par contre. Et on réussit la capture. On va avoir un stagger ici sur le Reinhardt. C'est vraiment... C'est vraiment pas une... Pour la défense, on va essayer de pousser. On a Lucio, donc le speed boost. On va essayer de pousser le plus rapidement possible avant que le Reinhardt puisse se remettre en position. On n'aura pas le temps d'aller sur le high ground, donc... On va quand même tenter le déplacement vers le high ground du côté des Gaillards. On a Arcanine qui a été présent, qui a réussi à créer une distraction suffisante. Également, qui va chercher le kill sur The Unforgiven. On a un Rocket Barrage qui est prêt. Jellicool va se prendre deux missiles en pleine poire et va être éliminé. Le Rocket Barrage sur Max Wright également. Et on poursuit. Voilà, Tommy Case avec le rally quand même. On est haut en vie pour l'instant. L'armure qui aide énormément. Arcanine avec le punch va manquer la cible malheureusement. Et on a un Dragon Strike en ce moment qui cause des problèmes pour Arcanine. Mais le kill sur Captain Beard. Et on continue. 1 minute 30 à faire. Ça pourrait être possiblement une victoire des Lynx. Ici, le gros Graviton utilisé. Très bien placé. Les deux Gravitons, mais c'est les Lynx qui vont être à l'avantage puisqu'on avait suffisamment de DPS pour causer les éliminations alors que ce n'était pas le cas à l'opposé. Morgan Latte est tellement bas en vie. Nano Boost qui est utilisé également. Morgan Latte avec son Reinhardt. On a un Dragon Strike également. Voilà la belle charge sur Renax ici. Très bien fait de la part de Morgan Latte. Et je crois que cette défense pourrait être réussie par les Gaillards. Kaoli qui va être forcé de se replier. Mais Captain Beard, qui est également sur la scène, va pouvoir se replier finalement. On va avoir un dernier push pour les Lynx. Peut-être qu'on va avoir la chance de voir un deuxième tie aujourd'hui. Si qu'on a Tommy Case qui a fait énormément de travail. On n'a pas réussi à le tuer avec sa Brigid sur le point. Puis il a contesté tout le long. Son équipe a eu le temps de regrouper, donc ça l'a vraiment aidé pour la défense. Oh, et ça va faire. J'allais dire, ça va faire mal. Heureusement, on a Harry Moon qui est présent. Présente pour la résurrection. Captain Beard qui s'est pris rapidement une flèche et un Fire Strike en pleine poire a été éliminé. Et là, Max Wright ici, le kill sur The Unforgiven. Ça, c'est un kill qui est important. On perd Blue Seb par contre du côté des Gaillards. Le Sound Barrier qui est utilisé chez les Lynx également. Et là, on balance vraiment tout ce qu'on a. La Valkyrie qui est utilisée également. Morgan Latte qui va aller chercher le kill sur Green. Les Lynx tentent tant bien que mal de garder ce point. On a un Rocket Barrage qui s'en vient. Bien placé sur Morgan Latte ici. Arcanine également. Le Sleep par contre de la part de Jellicool. Très bien joué de sa part. Le grenade pour aller chercher le kill également. Et là, les Lynx, on les connaît très efficaces sur le stagger, ou du moins de garder le point en vie. Mais voilà les kills qui s'additionnent du côté des Gaillards également. Green qui garde le point en overtime. Garde le sleep, le flick sleep de la part de Jellicool sur... Et le draw. c'est le deuxième draw de la journée. Oh, on en parlait tantôt, je parlais à quel point on allait avoir des draws sur les 2CP. C'est là qu'on voit que le niveau est très équilibré au niveau des deux équipes, c'est là qu'on voit que c'est très serré. Puis tu sais, on l'a vu dans la première map au début. Donc, vas-y, t'as l'air d'avoir une grosse réaction. Non, mais... C'est juste que là, on a eu le play of the game justement du backline dragon de la part de Hanzo. Et j'adore le fait que Jellicool s'est retourné flick sleep dessus, mais quand même, le dragon a eu le temps de partir. Et s'ensuit un quad kill pour Captain Beard. Voilà, je trouve que c'est un excellent play of the game. C'est un play of the game comme ceux qu'on aime. Mais donc, on cause l'égalité sur Anamura, donc le point est d'une certaine façon annulé. On se retrouve donc à 1-0 pour les Lynx, encore une fois. Et on va poursuivre sur la prochaine carte. Mais entre-temps, justement, là, c'est très bien joué de la part des deux équipes. On a... du côté de la défense, là, on a vraiment été très efficace sur la dernière séquence, les Gaillards, notamment Jellicool avec les sleeps qui étaient très très efficaces. Et également la Pharah de Captain Beard qui a été très dangereuse également.
J'ai... Mais encore une fois, faut pas oublier le... Tu sais, hein, moi, je suis supporter, fait que j'enlève... J'aime ça quand les supports sont... Ils sont pas nécessairement tout le temps en train de shiner devant la caméra, mais faut pas oublier aussi que la Mercy, elle a fait énormément de travail de rester en vie. Son positioning était on point. On vraiment traversait d'un côté et de l'autre de la map. Je pense qu'il y avait vraiment une bonne communication avec son équipe pour toujours avoir un saut de près en cas de détresse. Ouais, absolument. À plusieurs reprises, justement, on a eu le point de vue de joueurs qui essayaient de descendre Harry Moon. Et à la dernière seconde, on a le Guardian Angel pour se replacer et prendre couverture. Donc, absolument très bien joué de la part des supports. Là. Harry Moon avec sa Mercy qui a été... On en parlait plutôt justement, le focus des Gaillards qui avaient de la difficulté à éliminer autant Harry Moon et Green, la Mercy et le Lucio. À plusieurs reprises, on les a vus contester pendant très longtemps les points. Et il n'y a rien de pire que deux supports qui se pocketent parce que t'as de la vie à l'infini. Presque. Ah, effectivement. Surtout un Lucio, on sait, mais un Lucio ou un Zen qui va healer l'autre support en faisant du dommage, c'est énormément fort. Puis la Mercy qui va rester son beam sur le Lucio pendant que lui a son beam de healing, ça aussi c'est extrêmement fort. Donc, on l'a vu beaucoup sur la défensive, là, que c'est souvent comme ça que l'équipe a réussi à revenir et défendre le point. Et on va avoir le prochain match sur Hakenwald. Et avant que la map commence, je vais juste faire un shout-out à Kaoli pour le contest sur le deuxième point avec son Wrecking Ball. Là. Ouais, bravo. Tu sais, quand on joue à un jeu aussi comme ça puis qu'on est impliqué dans une équipe, ça montre juste que le joueur a fait ses devoirs et qui connaît super bien son personnage aussi, puis qu'il le maîtrise, qu'il l'a pratiqué sur plusieurs maps, donc il sait comment en prendre avantage, parce que Wrecking Ball, on le sait maintenant, avant c'était souvent la Tracer qui était bonne pour staller, la main Wrecking Ball depuis son arrivée est tout le temps utilisée pour le stall, donc de savoir comment bien l'utiliser, comment bien se positionner. C'est comme un Lucio, par exemple, si on prend la map préférée de Anamura, si on prend le deuxième point, où est-ce que le Lucio, s'il fait simplement wall ride sur toute le mur et le temple, il peut contester pendant énormément longtemps. Mais ça, c'est à force de jouer un personnage et de le jouer, de contester, de le prendre pour contester, c'est à ce moment-là que tu découvres des stratégies comme ça aussi. Oui, absolument. Et J'aime énormément l'arrivée de Wrecking Ball dans le jeu. Ça a vraiment changé. Bon, je pense qu'il y a du monde qui n'était pas content au début parce qu'il trouvait que la mobilité du personnage avait aucun sens. Mais une fois que le personnage a été tuné comme il faut, je pense que ça rajoute justement cet aspect-là de il faut absolument garder un œil différent. Quand on conteste des points comme ça, on a vraiment une présence à 360 degrés qui est encore plus importante avec la présence de Wrecking Ball. On l'a vu d'ailleurs sur ce point-là. C'était déjà quand même présent avec la Pharah qui est dans les airs puis que tu dois tout le temps regarder, pas juste au sol, pas juste au niveau des yeux, mais aussi dans les airs. Avec Wrecking Ball, on le rappelle, puis c'est encore plus comme ça parce qu'il y a encore une plus grande mobilité. Puis c'est sûr qu'il est plus gros, donc il est plus facile à voir, mais oui, en effet, je suis totalement en accord, puis je crois que c'est ça qui fait la beauté de Overwatch aussi, c'est que le jeu se fait pas juste au sol, en 360, donc tu dois avoir des yeux tout le tour de la tête. Oh là là! Merci pour cette merveilleuse finale de phrase! Mais non, c'est ça, effectivement, la présence de Wrecking Ball qui change un peu la donne. Là, et vraiment, shout out à Kaoli pour ce qu'on a vu sur la fin de Anamura, sur leur première défense. Là. Moi-même, en ayant la caméra libre, j'avais de la difficulté à savoir exactement où se trouvait le Wrecking Ball. Savoir qu'est-ce qui contestait le point, en fait. Là.
Parce que c'est ça, bon, on avait le point qui était contesté par les Lynx sans savoir nécessairement ce qui se passait. Et je pense que ça a été le cas chez les Gaillards aussi, parce que j'ai vraiment l'impression que ça a été quand même long avant qu'on comprenne même que le point était contesté. Fait que ça a vraiment pas été facile. Puis je pense que Kaoli a vraiment carrément ouvert la porte à son équipe là, parce que ça a été long et difficile avant de réussir à l'éliminer. Et là, on va avoir juste rappeler justement, on est sur la troisième carte, map précédente qui s'est terminée en égalité. Donc la prochaine carte sera Eichenwald, et on va avoir les Lynx contre les Gaillards. Donc les Lynx qui sont du côté bleu et les Gaillards du côté rouge, évidemment. Donc les Gaillards qui vont commencer à l'attaque. Les Gaillards, j'aime énormément ce qu'ils font avec la Symmetra. Et on va avoir donc. Mais c'est ça, le premier point. Je ne sais pas si on va utiliser la Symmetra du côté des Gaillards. On l'a vu précédemment à plusieurs reprises, là, je crois que c'est eux qui avaient réussi à faire le Big Brain Teleport en utilisant May. Donc on place un Ice Wall sur le coin ici, quelque part ici, là, le Ice Wall qui peut se retrouver en hauteur. On place le Teleporter sur le Ice Wall et par la suite, ça nous permet de complètement skipper l'entrée, passer par-dessus le toit ici et se retrouver directement sur le point. Donc à voir, est-ce qu'on va réutiliser cette stratégie? Très très hâte de voir comment on va s'en sortir du côté des Gaillards. Mais là, pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça va se dessiner comme ça. Ou du moins, on n'a pas de Symmetra encore du côté des Gaillards. Mais on semble vouloir aller vers quelque chose de très 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 rapide avec justement le Wrecking Ball et la D.Va du côté de l'attaque. On va être très mobile, très agressif. Puis je crois que c'est ça qui est important aussi dans ce début de map-là. Parce que souvent, on va être stallé par le choke point. Donc, si on peut juste facilement passer avec le Lucio. En fait, on a tellement de mobilité qu'en ce moment, on va juste pouvoir atteindre le point le plus rapidement possible et bypasser le shield. J'ai hâte de voir la vitesse à laquelle le Wrecking Ball de Morgan Laté va passer le choke point avec le speed boost de Tommy Case. J'ai l'impression que ça va se faire en un instant, vraiment, là. Oh mon Dieu, le Big Brain Plays! Oh les Gaillards, je vous adore! Je pense qu'on s'attend vraiment pas à ça. On cherche à savoir où est-ce qu'ils sont parce qu'on voit Arcanine, mais on s'attend vraiment pas à ce que l'autre équipe arrive. Et là, vraiment, Arcanine qui est allé faire la diversion des diversions. Et on se retrouve, et je suis sûr que les Lynx doivent se demander absolument comment les Gaillards se sont-ils retrouvés à cet endroit-là. Et ça y est, le Wrecking Ball est lancé. La belle trap, par contre, de la part de Captain Build, bien placée sur la trajectoire du hamster. Et là, vraiment, ça, c'est absolument ce que j'adore des Gaillards. Je parlais plutôt du Big Brain Teleporter, ce qu'on avait déjà fait avec Symmetra. Et combiné avec le May Wall pour passer le choke point. Mais là, vraiment, bravo les Gaillards, c'est impressionnant. Malheureusement, ça n'a pas été un succès. Ou du moins, on n'a pas réussi à capturer le. Dire que la Samra s'est faite aussi pic avant qu'on réussisse même à atteindre le point. C'est ce qui est un peu le désavantage et le danger d'une strat comme ça. Ouais, quand tu laisses un joueur derrière. Ça a été le problème, effectivement. Et là, les ultimates qui s'accumulent. Triple kill pour Captain Beard avec le Riptire. Et c'est un seul ultimate qui est utilisé. On va forcer Max Wright à se replier. Et là, vraiment, on a une problématique. Et là, on cherche, je crois, on cherche Arcanine du côté des Lynx. Arcanine qui est au contraire bien placé derrière. On va s'en prendre à The Unforgiven qui va. Oh, le
le Translocator qui était pas nécessairement très bien placé de la part de Arcanine, mais on va. Valkyrie ici qui a été forcé aussi. Oh, le gros EMP! 5 joueurs dans le EMP! Et est-ce qu'on a l'ouverture? On cherche le. Voilà, on va s'en prendre au double kill pour Max Wright. Et Captain Beard qui va tout de même aller chercher l'élimination sur Arcanine, mais les gaillards qui, je crois, vont réussir. Ouf! Mais le double kill pour Enox. Les deux supports d'ailleurs. Et là, on est en pleine mêlée. Oh, une Dragon Blade de la part de Blue Seb qui est placée, qui est utilisée. On cherche des cibles, des yeux. Ce sera Airy Moon, malheureusement. On utilise. Oh, très belle utilisation, par contre, du Guardian Angel sur The Unforgiven. The Unforgiven qui va être éliminé par Blue Seb, par contre. Et là, on se retrouve avec Green et Airy Moon sur le point. Captain Beard qui est de retour. On a un Riptire à nouveau. Les supports qui restent en vie encore une fois très longtemps ici. Et la Primal Rage qui est utilisée par Morgan Laté. Arcanine double kill avec le Doomfist par contre. Et là vraiment on est en pleine mêlée. Morgan Laté qui s'en prend en Kaoli qui va aller chercher le kill. Malheureusement on a délaissé le point. On va pouvoir recommencer à le capturer à l'instant. Et ce sera réussi. On débloque The Unforgiven qui est en mauvaise posture par contre avec son Reaper. Va être éliminé finalement par Arcanine. On réussit à aller chercher le kill sur Max Wright par contre. Mais ça sera pas très dérangeant au niveau de l'attaque puisque de toute façon on va faire des changements de composition. Et puis à ce niveau-là, en prenant la diva qui est à côté du spawn, c'est pas nécessairement le pick le plus favorable puisque lui est mort, donc il part de très loin avant de récupérer son équipe. Mais tout de même, on n'aura pas le temps de passer la porte que l'autre équipe va déjà être en train de regrouper. Donc. Et là, on cherche Morgan Laté qui va être éliminé par The Unforgiven. Blue Seb qui est maintenant sur Tracer justement pour essayer de contrer la Widowmaker. Mais justement, The Unforgiven qui va aller chercher le pick sur Arcanine, la balle en pleine poire. Et The Unforgiven qui est très efficace, très haut perché d'ailleurs sur cette Widowmaker. On n'a pas nécessairement les outils nécessaires pour contester le high ground contre The Unforgiven en ce moment. Donc j'ai hâte de voir comment on va, si et qu'est-ce qu'on va changer du côté des gaillards pour débloquer un petit peu. On profite quand même beaucoup de la mobilité aussi du côté de la défense pour jouer très split. Le Lushu qui reste avec le Reinhardt puis qui s'assure que le Reinhardt aille la mobilité que le reste de son équipe n'a pas. Et là, j'aime énormément ce qu'Arcanine a essayé de faire. On a utilisé le Meteor Smash, mais de tellement loin pour essayer de rejoindre The Unforgiven sur son perchoir. Mais malheureusement, on a manqué un petit peu de distance et on est tombé tout juste... Oh, la pause bombe! Blue Sam qui a lobé la pause bombe sur le perchoir de The Unforgiven qui a été capable de se replacer suffisamment. Et finalement, voilà, on va déloger The Unforgiven de son perchoir en utilisant D.Va. Et d'ailleurs, Blue Seb qui va être très dérangeant. Kaoli avec le Shatter. Malheureusement, on est allé chercher seulement Tommy Cage, je crois. Ce dernier qui va être éliminé, justement. La belle charge sur Jelly Cool. Très bien joué de la part de Kaoli. Une très belle séquence pour le Reinhardt ici. On est allé chercher 3 kills. On donne tellement d'importance ici à The Unforgiven. Puis pendant ce temps-là, le reste de l'équipe... On a tout le temps la Diva et la Mercy qui sont prêtes à venir aider leur Widow, mais sinon, le reste de l'équipe, pendant ce temps-là, ils font des énormément good picks. Puis en fait, Widow est peut-être pas capable de faire du damage pendant ce temps-là, mais elle est tellement contestée par les tanks que le reste de l'équipe fait le travail à sa place pendant ce temps-là. Ouais, peut-être un peu trop de... Oh, le reflect de la part de Blue Seb, très bien placé. Je crois que ça aurait été une élimination à ce moment-là. Mais voilà, on relance le Shatter de la part de Morgan Laté cette fois-ci. Avec le Nano Boost également, Self-Destruct qui va aller chercher l'élimination sur Green. Et là, on se retrouve justement cette fois-ci avec The Unforgiven en high ground. Arcanine qui est présent pour contester justement ce high ground. Et là, on va forcer le repli du côté des Lynx. Finalement, on a réussi à débloquer le checkpoint. L'Arcanine qui est très bien placé sur le backline en ce moment. On a un Riptire de la part de Captain Beard qui s'en vient par contre. On va aller chercher le kill sur Morgan Laté. Et Tommy Case également qui va tomber. Arcanine qui a maintenant un EMP de près. On va s'en prendre à Enox. Le EMP qui est utilisé, on cancelle le mech call de la part de Enox. Quelques joueurs qui ont été pris dans les EMP, malheureusement, ce ne sera pas suffisant. Puisque, au contraire, on a
les éliminations qui s'additionnent du côté inverse et on réussit la défense. Donc, un choke point de défendu, encore une fois. Le checkpoint qui ne sera pas atteint. Donc, le payload débloqué tout de même. Belle défense ici. De la part des Lynx. Puis, dans le fond, comme je disais tantôt, on a apporté énormément d'importance à la Widowmaker. Je pense qu'on était peut-être un peu trop sur elle, mais en même temps, tu sais, on veut pas lui donner l'espace qu'elle a besoin pour travailler, mais pendant ce temps-là, on donnait tellement d'importance à aller pick la Widow, puis on n'avait pas nécessairement la réponse à la pick, parce qu'en fait, elle se faisait tellement Diva et par sa Mercy que pendant ce temps-là, on avait le Reinhardt, le Lucio et le Junkrat sur la frontline qui s'occupaient de la backline de l'attaque. Donc, ça a été ça pas mal toute la deuxième attaque. Puis, ça a super bien fonctionné. Parce qu'on a quand même réussi à défendre le point. Puis, on s'est rendu à peu près à la moitié du deuxième point. Donc, va quand même falloir faire attention en défense. Le premier point qui est souvent très bien défendu. Puis là, on a été prendre un top lane en plus pour essayer de bien défendre ça. C'est parce qu'on sait le deuxième point est un petit peu plus facile à attaquer. Puis il y a l'avantage beaucoup sur le high ground. Donc, on va y aller quand même avec une comp. Presque avec la même comp en attaque. Simplement, on va avoir une Pharah au lieu d'une Widow. Oh, Harry Moon qui s'est pris, je crois, un Flame Strike en plein visage. Et là, The Unforgiven qui est très, très loin de son équipe en ce moment. On est bien pocket par Harry Moon quand même. Mais, encore une fois, on est en danger en ce moment. Mais voilà, bien pocket par Harry Moon. Encore une fois, Harry Moon qui garde sa Pharah en vie va être éliminé finalement par Tommy Case. Tout de même à l'inverse. Et là, on commence le fight en 5 contre 5. Un support de chacun des côtés qui a été éliminé. Et bon, Arcanine qui va aller chercher le kill sur Kaoli ici. Et on continue le combat qui se maintient. Captain Beard très très bas en vie avec son Genji va faire le wraparound ici en utilisant la hauteur. Et on va se retrouver sur le point face à Morgan Laté. Le point est toujours contesté, soit dit en passant. Blue Seb, le kill sur Harry Moon. Par contre, et là, Harry Moon, je sais pas si on a peut-être eu une discussion du côté des Gaillards, mais le focus sur Harry Moon semble être un petit peu plus serré. Et on se retrouve à faire des fights sans la Mercy nécessairement. Et donc, on réussit le reset bien effectué du côté des Gaillards. Là, on va du Neck Enox d'ailleurs. On joue très agressif aussi au niveau de la Pharah, donc c'est peut-être un peu plus difficile la Mercy pour survivre. Donc c'est sûr que si on flank avec la Pharah à ce moment-là, la Mercy, la seule escape qu'elle a, c'est sa Pharah. Donc si la Pharah tombe sur le sol, elle n'a pas d'autre escape, donc elle devient hyper vulnérable. On charge ici, Kaoli sur Morgan Laté. On est mal placé, Kaoli, ici. On est pocket. Par contre, le Sound Barrier également qui est utilisé. On place le volcan. Et là, oh, le gros Shatter, par contre, mais je pense pas que ça va être suffisant. The Unforgiven sur Jellicle avec le Rocket Barrage. Et là, on essaie d'utiliser tout ce qu'on a. Harry Moon, tellement bas en vie, va finalement être éliminé par Blue Seb. Mais le point n'est pas contesté en ce moment. Les Lynx vont réussir à capturer ce payload. Oh, ou plutôt, Tommy Case est de retour. Tommy Case qui va tenter de contester. Arcanine également est présent avec le Doomfist. On garde le tout en vie. Malheureusement, Arcanine qui va tomber. Tommy Case également. Et là, on se retrouve en problématique du côté. Oh, la belle charge ici sur Morgan Laté. Morgan Laté qui se retrouve en danger face à Enox et à Kaoli également. Mais Kaoli, tellement bas en vie, va être éliminé par le Firestrike. Et Morgan Laté qui retourne à la... Très dangereux, ça, de la part du Reinhardt ici, puisque la Anna peut pas nécessairement le... Qui, en fait, qui est contesté en ce moment. Puis qui va tomber... Voilà, justement, la Anna qui a été délaissée par son Reinhardt va être focus down par le Genji, qui, ce dernier, va être éliminé par Ashe. Mais on a la résurrection, évidemment, de Harry Moon qui va rééquilibrer le tout. Oh, on a une Dragon Blade ici de la part de Captain Beard, mais on est très bien divisé chez les Gaillards. Mais on va perdre tout de même voilà, trois joueurs qui vont être éliminés. Le Graviton qui a été utilisé, entre autres, par Max Wright.
Et là, Arcanine qui va tomber finalement face à Captain Beard également. Les Shurikens en pleine poire, c'est suffisant pour aller chercher le kill. Et là, rapidement, on approche du checkpoint. Je crois... On pourra pas contester, non. Je crois que ce sera tout. Voilà, c'est fait. C'est réalisé. Belle capture de la part des Lynx. On a très, très bien joué. Les Lynx, The Unforgiven, qui a vraiment, je crois, à lui seul. Malgré le fait qu'il n'a pas nécessairement fait énormément avec sa Widowmaker, mais on a tellement attiré le focus de la part de l'attaque que vraiment, là, la deuxième séquence, je crois, The Unforgiven, qui a tout gardé juste par sa présence. On a vraiment attiré le focus de l'équipe adverse. Et puis en fait aussi, on a mis de la pression sur la Mercy au début du premier point, puis après on dirait qu'on l'a un peu plus délaissée. On a réussi à la prendre les deux premiers fights, puis après on dirait qu'on, comme je dis, on l'a délaissée, puis on n'a pas nécessairement mis plus de pression sur elle que ça, puis... La Mercy, en fait, qui a juste un, comme j'ai dit tantôt, un très bon positioning. Donc, elle est capable de voler d'un côté et de l'autre. Et là, la prochaine map sera Dorado. Je sais pas, Opie, si tu veux nous parler un petit peu de la map en tant que telle, qu'est-ce qu'on peut s'attendre des deux équipes? C'est la map pour laquelle je suis reconnue pour le fameux meme. Mais bon, parlons pas de ça aujourd'hui. Mais Dorado, oui, c'est une map qui est aussi, comme on parlait de King's Road plus tôt aujourd'hui, qui était très utilisée avant dans les map pool, puis maintenant qui est un peu délaissée. Mais là, on est dans des force maps, si on veut, on est dans les maps forcées, donc on va la jouer et ça va être très intéressant. On voit souvent des mais ou des Junkrat ici sur la défense au premier choke point. Donc, ça peut être très facilement défendable. Puis aussi, des fois, on va voir des Widowmaker qui vont flank dans le back ou sur les high ground. Donc, il y a beaucoup d'high ground sur cette map-là. Puis on sait, là, je le dis tout le temps, les high ground, c'est super important. Donc, si on y va avec une dive, à notre avantage pour surpasser le wall de nez et le Junkrat aussi. Donc, j'ai bien hâte de voir les compositions d'équipe parce qu'ici, on a plusieurs options qu'on peut faire aussi. Ouais, c'est toujours intéressant de voir comment les équipes, évidemment, on connaît généralement la forme des maps, comment ça se passe, tout ça. Donc, c'est toujours intéressant de voir les picks des différentes équipes, comment on se sent le plus confortable dans les différentes maps, effectivement. Et donc, on devrait être prêt à commencer sous peu. La prochaine map, possiblement la dernière pour les deux équipes, donc Dorado sera la prochaine map. Si les Lynx remportent, on se retrouve donc en fait, on est en point de match actuellement pour les Lynx. Donc, si les Lynx remportent, on remporte par le fait même la médaille d'or et on relaie les Gaillards à la médaille d'argent. Oui, effectivement, voilà. OK, donc, des fois, on se demande... parce que j'ai pas le chat ouvert, donc je vois pas nécessairement ce qui se discute in-game. On attendait le ready d'une des deux équipes. Mais voilà, on est maintenant sur Dorado. Alors... On va être en mesure de voir les compositions qui se forment dans quelques instants. On a vu une bonne Widowmaker dans l'autre map, donc ça ne surprendrait pas qu'on la ressorte pour cette map-là aussi. Pas pour le troisième point, évidemment, mais pour les deux premiers points, puisque le troisième point est fermé. Donc, à ce moment-là, souvent, on va délaisser les Pharahs, les Widows. On va y aller vraiment plus avec des Reaper, des Junkrat, des Enzo. Donc. Et là, tu mentionnais qu'on a eu une très bonne Widowmaker dans la map précédente, The Unforgiven. On va voir le pick de choix. Je me rappelle pas nécessairement tous les picks qu'il a joué dans les maps précédentes, mais je l'ai souvent remarqué sur les hitscans, notamment. Et justement. Quand on va y aller avec un pirate ship.
ça semble être parti pour ça. Ce que j'ai déjà vu, une équipe faire, c'est avec la main d'aller vraiment d'aller contourner le trajet standard en utilisant le main wall pour soulever le bastion et passer par-dessus la petite séquence de mur qui est au fond là-bas. Donc on passe on passe le mur ici et on s'en va dans le fond tout simplement backstab l'autre équipe. Donc forcer la rotation. Avec la stratégie qu'on a utilisée aussi dans l'autre map, ça me surprendrait même pas qu'on fasse ça. Mais le bastion semble quand même vouloir se positionner sur le point. Ouais, on a un pirate ship qui se débloque devant nous. Et l'utilisation de Blue Seb qui va aller chercher le kill sur The Unforgiven. Mais la résurrection quand même. Mais là, The Unforgiven qui n'est pas protégé en ce moment va devoir se replier. Et la présence de... Il y a quelqu'un sur le high ground, malheureusement, j'ai pas vu c'était qui. Mais on avait un joueur sur le high ground qui était extrêmement dérangeant pour l'attaque. Et le Arcanine qui va aller chercher avec l'aide de Blue Seb le kill sur Enox. On a peut-être manqué de communication ici avec... tu sais, on a deux shields, on a le Reynard. Le Reynard s'est fait détruire son shield rapidement, mais on a vu la Arisa qui n'a pas protéger son bastion. Donc on dirait que la priorité quand tu as un pirate ship, c'est de vouloir protéger ton bastion. Puis la Arisa, elle est juste partie attaquer quelqu'un d'autre et n'a pas protégé son bastion. Donc c'est peut-être ça qui leur a coûté cette attaque. Et un très beau main wall de la part de Captain Beard. Encore une fois, on force le bastion à ne pas voir dans le fond. Et là, le beau freeze de la part de Captain Beard. Encore une fois, Captain Beard avec May. Et très efficace depuis le début. Blue Seb qui se retrouve en plein milieu de l'équipe adverse est tellement bien contrôlé en ce moment. Va être éliminé par Green finalement. Et je crois qu'on vient de débloquer. Je sais que tu nous en parles quand même souvent, la rotation au niveau de la défense, de partir du high ground et aller défendre plutôt derrière l'arche. On a un self-destruct qui s'en vient en ce moment. On n'ira rien chercher malheureusement de la part de Max Wright. Et Bob est maintenant présent sur la scène. On conteste le point. Et encore une fois, un très beau May Wall qui a été placé. Captain Beard sur May. Et The Unforgiven qui va aller détruire Bob. On débloque le tout. Blue Seb qui va tomber. Tommy Case, par contre. Et là, Blue Seb, que fais-tu, bon sang, avec ton... ton bastion va être éliminé par Harry Moon. Préférait peut-être juste simplement de se faire éliminer en fait pour pouvoir changer. Ouais, je pense que c'était ça la stratégie au lieu de rester dans le bac avec son bastion. Parce que là, en ce moment, il faut changer de bastion. Là, ça fonctionne plus. Dans ce point de la map là, on veut avoir le high ground control. Donc, on va avoir 5 ults de disponibles à l'attaque et on a seulement 2 ults de disponibles pour la défense. Donc, on part déjà avec un petit pas en arrière. Mais on peut tout de même réussir à faire des beaux combos ici. Les bongos qui sont déposés par Morgan Latte. Jerry Cool qui met la Amplification Matrix. On a le double damage buff qui se combine. Le Blizzard de Captain Beard qui est très bien placé. On a un Self-Destruct qui s'en vient. Le Self-Destruct n'ira rien chercher, mais le Blizzard, au contraire, très efficace de la part de Captain Beard. Et Morgan Latte va être gardé en vie en ce moment. Et finalement, va être éliminé. Le D-Mex sur Enox et on va aller chercher l'élimination. L'attaque qui est sur l'autoroute en ce moment, c'est très, très, très clean, très efficace. Ici, au niveau de l'attaque, parce qu'on focus vraiment les healers en premier. Donc, c'est ce qui leur permet vraiment d'avoir plus, beaucoup plus d'air pour se déplacer. Puis aussi, on doit noter qu'on a juste un Zen Niana. On a switché maintenant pour un Nana, donc on n'avait pas nécessairement beaucoup de healing. Blue Seb qui s'est pris une flèche en pleine poire de la part de The Unforgiven. C'est une flèche qui fait mal. Oh, le beau shift de la part de Harry Moon. Très bien, très belle réaction face au punch de Arcanine. Et Kaoli qui va aller chercher un kill sur Morgan Latte avec la Primal Rage. Et Arcanine sur The Unforgiven. Et le payload qui avance toujours. On n'a pas encore trouvé l'ouverture ou du moins arrêter le momentum
des Lynx. Blue Seb qui va aller chercher un kill sur Momentum, sur Kaoli, mais au prix de sa propre vie. Là, on a une coalescence qui est prête au Green qui va tomber face à Jellicool, par contre. Un Meteor Strike de la part d'Arcanine. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est plutôt un... Simplement venir sur le point, oui. Un Meteor Smash défensif qui a été utilisé par Arcanine, justement, pour s'en sortir. Oh, Dragon Strike ici qui est très bien placé sur le point. On a un autre Dragon Strike. Les dragons vont se croiser. Et aucun des deux Dragon Strike n'ira chercher quoi que ce soit. Un Self-Destruct bien placé par contre. Va aller chercher le double kill. Tommy Case et Blue Seb qui vont tomber. Et oh, Jellicool qui est en mauvaise position en ce moment. Très bonne vie. On va tomber avant même de pouvoir utiliser le Nano Boost. Il viendra pas contester le point ici, je crois qu'on va juste capter. Et Tommy Case avec la transcendance qui réussit tout de même avec Arcanine. Et là, on doit rester sur ce point, on doit l'empêcher d'avancer à tout prix. Blue Seb qui est présent avec le Reaper. On a également Max Wright avec le Wrecking Ball qui va faire un énorme travail en ce moment. Le Blizzard qui est bien placé, mais Max Wright qui réussit quand même à rester en vie, réussit à ne pas se faire congeler. On a un Self-Destruct bien placé par Enox par contre, et ce sera suffisant pour capturer le point. On n'a peut-être pas assez adapté notre composition aussi pour essayer de contester le point. On a vu la Ana qui était seulement à 15%. Peut-être qu'on aurait pu switcher pour une Mora à la fin pour pouvoir arriver sur le point plus rapidement. Puis aussi d'avoir un escape parce qu'en fait, c'est fait quand même bien zoné par la... Mais, donc, c'est un peu débarrassé. Donc... des fois, il faut qu'on regarde aussi. Des fois, ça vaut pas la peine de changer parce qu'on a un nul qui s'en vient. Mais dans son cas, on était seulement à 12%. Donc, peut-être qu'on aurait pu, pour juste aller chercher, des fois, quelques secondes peuvent faire une énorme différence. Donc, oui, effectivement, des fois, juste la seconde qu'on est capable de garder l'overtime en vie, ça peut permettre... à deux ou trois joueurs de se présenter sur le point après nous et d'aller chercher un pic qui permet peut-être de renverser la vapeur à ce moment-là. On a quand même un 2 minutes 21 restant au compte à rebours, ce qui est très bon pour Dorado, en fait, parce qu'on le voit souvent, le temps s'écoule hyper rapidement sur le troisième point. Ici, ça n'a pas été le cas, donc parce que le troisième point est beaucoup plus à l'avantage de la défense. Puis ici, on n'a pas eu de problème à attaquer. Donc, il va falloir vraiment faire attention pour être très rapide sur les attaques, puis essayer d'avoir le plus de temps possible au compte à rebours pour la troisième attaque, parce que c'est là que c'est le plus difficile un peu à attaquer. Et là, j'aime ce que je vois de la part des Gaillards. On est vraiment sur quelque chose de mobile. Une Divecom qui... Max Wright, par contre, qui est en danger, va être obligé de retourner vers ses supports. Mais j'allais dire, justement, face à ce qu'on a de l'autre côté, avec le Reinhardt et la Widowmaker, mais Morgan Laté va tomber. Max Wright va se faire des mecs également. Ça regarde mal. On a la résurrection quand même sur Morgan Laté, qui va permettre de reprendre un petit peu de la vitesse du côté des Gaillards. Mais on a encore le problème de The Unforgiven sur la Widowmaker. Blue Seb qui va aller chercher le kill, mais voilà, The Unforgiven sur Max Wright. On cherche Tommy Case et Blue Seb qui est en plein sur la Widowmaker de The Unforgiven. Mais c'est Kaoli qui va aller chercher le kill sur le Genji. Et là, le payload qui n'avance plus en ce moment. Donc, une très belle rotation de la part des Lynx sur la position défensive. Max Wright qui va aller chercher le kill sur Green. Mais Morgan Laté qui va tomber à nouveau va être résurrecté par Jellicool. Mais Kaoli, voilà, va être éliminé par Blue Seb ici. Et The Unforgiven avec sa Widowmaker qui, je crois, semble être... voilà, Arcanine qui va s'en prendre à The Unforgiven. Forcer le déplacement. Arcanine qui est très agressif avec sa Sombra. Oh, un beau trick shot de la part de Unforgiven sur Zenyatta de Tommy Case, mais pas suffisamment. Le gros Shatter, mais on a la transcendance pour canceller le tout. À l'inverse, c'est Blue Seb qui va aller chercher le kill sur The Unforgiven et Green avec sa Dragon Blade. Et là, on a Harry Moon qui garde le payload immobile. Maintenant, Kaoli qui l'a rejoint. Finalement, on a un Riptire qui s'en vient de la part de Captain Beard. Voilà, on n'ira pas chercher d'élimination pour ce dernier.
Et le combat qui se continue, finalement, on réussit à débloquer ce checkpoint pour les Gaillards. Ça a commencé difficilement, mais avec la Dragon Blade, on a réussi à se débarrasser de la Widowmaker. Donc, la Widowmaker qui est maintenant switchée pour un McCree. Donc, je crois qu'à ce moment-là, le McCree qui est un très bon pick pour la Divecom, pour laisser de la place à ses supports et qu'il se fasse pas trop focusser. Et là, Arcanine qui fait le plus gros des flingues de l'histoire avec son EMP. On cherchait une ouverture et Captain Beard va tomber face à Arcanine justement. On a encore le EMP, on le rappelle, qui est prêt à être lancé. On cherche tout simplement l'ouverture. Le Shatter qui est utilisé par Kaoli, qui a été bloqué, je crois. Le self-destruct, également le EMP, triple kill pour Max Wright. Arcanine qui va compléter le tout avec sur Green et Kaoli. Une très belle combinaison d'ultimate, justement. Arcanine cherchait l'ouverture pour utiliser son EMP, l'a trouvé avec le self-destruct de Max Wright. C'est la Divac qui a eu un triple kill ici, mais je suis pas mal sûr que du côté de Arcanine ici, ça l'a probablement été un 5 kill, puisqu'il a fait du beau travail avec son EMP. Et là, Arcanine qui se retrouve vraiment en danger en ce moment, qui force, mais qui garde l'attention en même temps, on n'y pense pas, mais garde l'attention entière de Enox. Et là, malgré le fait que Arcanine a été éliminé par Enox, pendant ce temps-là, on avait les Gaillards qui ont complètement éliminé l'équipe des Lynx et on débloque le payload. Donc, avec 4 minutes 20 à faire, on doit se rendre jusqu'au troisième checkpoint. Et là, Green, qui est en très mauvaise position, va être éliminé par Tommy Case. Et là, encore une fois, on a ici Captain Beard avec son Reaper, qui, heureusement pour lui, a un Raid Form et également le Maywall de Captain Beard pour le sauver. Le hack, par contre, sur Captain Beard va l'empêcher de Raid Form à nouveau. Mais on est bien pocket par la Mercy de Airy Moon, encore une fois. Et là, ça risque d'être dangereux. On a deux ultimates. Voilà le Shatter. Gros Shatter, d'ailleurs, de Morganate. La belle charge sur The Unforgiven va aller chercher le kill sur la main. La résurrection sur Arcanine également. The Unforgiven qui est récupéré par Airy Moon également. La Valkyrie de Airy Moon qui est utilisée. On cherche. Voilà, Enox va être pocket pour l'instant. Airy Moon, encore une fois, va se replacer. Transcendance qui est utilisée par Tommy Case. Le kill sur Green ici par Blue Seb. La charge à nouveau de Morgan Latte. Oh, Shatter de la part de Kaoli. Par contre, on va trouver Blue Seb qui va s'en sortir. Le gros EMP encore une fois de la part de Arcanine. Le Blizzard également qui est placé par contre par The Unforgiven. Morgan Latte qui depuis tout ce temps était dans le spawn point des Lynx. Et là vraiment on est en pleine mêlée avec Kaoli. The Unforgiven qui va être hack par Arcanine. Blue Seb qui va être éliminé ici par Green. Et finalement on réussit à repousser les Gaillards. Oh, le Maywall sur Max Wright par contre va être congelé. Et ça va être un gros j'allais dire un gros stagger pour les Gaillards, mais c'est plutôt l'inverse, The Unforgiven. Il va essayer peut-être de C9 et de pousser, mais d'après moi, il n'aura pas l'occasion de le faire. Ouais, on choisit plutôt de prendre part au teamfight, je crois. La charge ici sur Morgan Latte, le hack sur Kaoli, par contre, très bien joué de la part de Arcanine. Le Shatter également, qui va être utilisé. Par contre, on a un Death Blossom de Captain Beard. On va aller chercher Tommy Case. Résurrection sur Kaoli également. La charge de Morgan Latte sur son opposant. Le High Noon qui va être utilisé. Double kill pour Blue Seb. Là, vraiment, on ouvre la porte pour la capture. On a un Self-Destruct qui s'en vient, par contre. Jelly Cool et Tommy Kills qui tombent. On a un self-destruct de la part de Max Wright, par contre, qui va être placé. EMP, encore une fois, de la part de Arcanine. Et là, Kaoli qui est maintenant sur le Wrecking Ball. On a vu à quel point il pouvait être efficace. Shatter qui est utilisé par Morgan Latte. On récupère Kaoli, la belle charge pour compléter le tout. Et là, on se retrouve ici. Malheureusement, on va être éliminé du côté de Morgan Latte, de la résurrection pour rattraper Kaoli. Et finalement, on défend encore une nouvelle fois pour les Lynx. C'est minuit moins une pour les deux équipes. En fait, ça a été une belle défensive. La Mei qui a fait quand même beaucoup de travail. Et on l'a vu, Kaoli qui est revenu avec qui maintenant a re-switché sur Rain. Ça aurait pu être très dangereux, par exemple, parce qu'on a été un peu greedy de la part de Kaoli. On a fait un beau Shadow et pendant ce temps-là, le High Noon, on n'a pas ramené le Shield assez rapidement, donc ça aurait pu coûter de points. Finalement, l'équipe a travaillé en coordination et ils ont réussi à défendre le point.
C'est définitivement le self-destruct de Aenox qui est allé chercher un double kill sur les deux supports à la fin comme ça. Transcendance qui est utilisée par Tommy Case ici. On tente de garder Morgan Latte en vie. La charge ici. Oh, la charge de Kaoli sur Tommy Case. On va éliminer d'un seul coup les deux supports. Où Tommy Case et Green vont être éliminés de chacun des côtés. Arcanine est maintenant sur le Doomfist. On cherche. Et le Kaoli, double kill. Ça va être un reset du côté. Ou plutôt, ça devrait être un reset, malheureusement. Blue Seb et Max Wright qui sont poursuivis par l'équipe adverse. Max Wright, très bas en vie. Va pouvoir s'en sortir le Maywall qui a été un peu mal placé de la part de The Unforgiven. Notre dernier fight aussi à noter avant l'overtime. Donc, d'où l'importance que je disais tantôt qu'il fallait attaquer rapidement parce que ce point est tellement difficile à attaquer. Oh, Arcanine qui est très bien placé, malheureusement, va manquer son Doomfist. Le gros Shadow ici. Encore une fois, un punch. Max Wright avec le Self-Destruct sur Harry Moon. Mais Kaoli a Earth Shatter également. Blue Seb avec le High Noon. Et là, on a bien fan de Hammer sur Kaoli également. La charge qui va manquer la cible de la part de Morgan Latte. Arcanine a un Meteor Smash à utiliser. Voilà, il sera placé. Malheureusement, aucun kill pour celui-ci. Le punch sur The Unforgiven. Et Captain Beard avec le Death Blossom. Triple kill complété sur Morgan Latte. Le Blizzard qui vient de donner la victoire aux Lynx. Donc, les Lynx qui remportent médaille d'or et les Gaillards qui s'en sortent tout de même avec la médaille d'argent. Un excellent travail sur cette dernière séquence avec les Ultimates qui ont été bien utilisés. Le Reaper de Captain Beard avec le quad kill sur la fin. Et là, on va y aller. Play of the game pour Max Wright. Le Self-Destruct qui s'en vient. Le EMP grâce à Arcanine. C'était un très beau match, en fait. Toutes les maps étaient super serrées. Ça a été... c'était pas gagné d'avance. Comme on le disait, là, c'est un niveau pas mal équivalent des deux côtés. Donc, très beau match ici. Très beau niveau qu'on a vu aussi. Puis... Effectivement. Je tiens aussi à dédier aussi un petit shout-out à Harry Moon qui a fait énormément de travail avec Samuel C aussi. Je crois que... lui en combo avec lui ou elle, en combo avec The Unforgiven, qui ont fait énormément de travail. Son équipe travaillait beaucoup autour de eux, mais aussi beaucoup en duo et en quad. Donc, je pense que ça a été l'avantage un petit peu de leur côté. Évidemment, shout out. Aux deux arbitres Businessman et Ghost qui nous ont bien arbitré ce match, cette game. Et je tiens à souligner le travail de l'organisation autour. Mais avant que je fasse un petit peu la petite outro qui fait tous les remerciements puis tout, ben évidemment, juste rappeler les Lynx de Edouard Monpetit qui remporte la médaille d'or de la LCA saison 2. Ouais, saison 2. Alors que les Gaillards s'en sortent avec la médaille d'argent. Les Gaillards du Cégep de Jonquière. Et donc, évidemment, c'est la fin. C'est la fin officiellement. C'est vraiment une outro de outro de outro parce que c'est la fin de la fin de semaine de finale pour la LCE. Et donc, par le fait même, la fin de la saison. Je sais pas à quel point ça paraît que ça fait 6 heures que je parle. Je commence à déparler énormément. Mais donc, évidemment, je vais en profiter pour faire quelques remerciements. Donc tout d'abord, un énorme merci à mes co-casters, à Opi qui a couvert pour la fin de la saison, à Soussou qui a fait le début. Un énorme merci, ça a été un plaisir de travailler avec vous deux. Et j'aimerais remercier énormément également le travail de Stéphane à la régie qui, à chaque semaine,
qui est là pour justement là, à chaque fois qu'il y a des problèmes techniques, qu'il n'y a pas de son, il y a trop de son, il n'y a pas assez de son, l'image rentre pas, il n'y a pas assez de FPS. Stéphane est là pour ça. Donc, ça fait plaisir. Voilà, la voix de Dieu. Évidemment, un énorme merci à lui et à Cryptus, soit dit en passant, qui est le nom de l'entreprise pour laquelle il travaille et qui s'occupe de tout ça. Par la suite, j'aimerais remercier la direction de la LCE qui a organisé tout ça, évidemment. Et aux modérateurs dans le chat, je sais que c'est pas facile tout le temps, mais un énorme travail de votre part également. Merci énormément. Et pour terminer, ben remercier la Fédération québécoise des sports électroniques qui est là, qui chapeaute le tout, qui encourage tout le monde, évidemment. Et un dernier remerciement de ma part, en fait, ça va être deux. Le premier, pour les équipes qui ont participé à toute la saison, c'est extrêmement plaisant au niveau du commentaire de vous voir jouer, de vous voir évoluer du début à la fin des saisons, de voir le progrès entre les équipes. Évidemment, le plaisir que vous semblez avoir, j'espère que c'est genuine, le plaisir que vous avez, ça a de l'air, en tout cas. Et dernier remerciement, qui est à évidemment à nos spectateurs à la maison. Merci énormément de nous avoir suivis. On a gardé un 50 viewers à peu près toute la saison. Donc ça fait quand même chaud au cœur. C'est aussi très bon de voir que la communauté québécoise aussi dans le e-sport au Québec continue à grandir puis que vous êtes tous présents aussi. Donc c'est ça. On vous remercie énormément. Puis c'est beau de voir le e-sport grandir au Québec, donc voilà. Et avant de rendre l'antenne, ben c'est ça. Je m'appelle Kijivo et j'espère vous revoir dans les prochaines saisons de la LCE du côté d'Overwatch, évidemment. Donc ben moi je vais vous souhaiter un merveilleux été parce que on n'a rien qui se passe cet été, à moins que je sois pas au courant, mais je pense que non. Fait que je vous souhaite un super bel été et je vais vous rendre l'antenne à l'instant. Ben, moi, je vais prendre juste un petit 2 secondes pour dire merci à vous deux pour aujourd'hui. Merci à tout le monde aussi. Et rappelez aussi que la LCE est créée pour les jeunes, pour les équipes. Donc, c'est vraiment pour vous autres qu'on fait ça pour les jeunes au niveau des écoles. Fait que vraiment, si vous continuez à participer comme ça en grand nombre, on va toujours triper puis les saisons vont toujours être aussi intéressantes et tripantes comme on a eu là avec la saison 1, saison 2 qu'on a passé cette année. Merci encore à tous. Merci Stéphane, encore une fois. Et sur ce, mesdames et messieurs, passez une merveilleuse soirée, un merveilleux été et on se revoit à l'automne.
I feel like I linger. Linger between the words to say, eh? To say the words to remember. Now we're here to take control over your body and over your soul.